Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je prépare des framboises et curd de framboise sur moelleux à l'huile d'olive. Je fouette les jaunes d'œufs avec la cassonade. J'ajoute ensuite l'huile d'olive. J'ajoute ensuite les poudres, la farine, la levure, le bicarbonate. Je monte en neige mes blancs d'œufs avec une pincée de sel. Maintenant, j'incorpore délicatement ces blancs d'œufs à ma préparation à base de jaune, qui est assez ferme tout de même. Je prends ensuite des moules à tartelettes beurrées farinées et j'y verse ma préparation sans trop les remplir. J'enfourne ensuite pour 15 minutes à 160 degrés. Au presse-purée, je passe mes framboises de manière à ne garder que le jus. Je fouette les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je délaie la maïzena avec le jus de citron. Je le verse dans la préparation aux œufs. Je verse la pulpe de framboise. Je mélange le tout. Je transvase dans une casserole et je fais épaissir sur feu doux. Je démoule mes moelleux et je les dépose sur mon plat de présentation. Pendant ce temps, ma crème est en train de refroidir. Pour terminer la recette, je dépose mon curd sur les moelleux et il n'y a plus qu'à décorer avec les framboises et à saupoudrer de sucre glace. Voilà, et bien je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.